Heute Nachmittag gibt es ein deutsch-französisches Stadtspiel durch Verdun. Alle Schüler nehmen daran teil, auch Ode. Die Gruppen bestehen aus Jungen und Mädchen und aus Deutschen und Franzosen. Vier Franzosen und zwei Deutsche. Mettez votre nom et le nom de votre équipe. Non. Oui. Non. À l'intérieur du sac, il y a un brassard. Tu dois le porter et mettre le nom de ton équipe dessus. D'accord. Parce que tu es le capitaine, ça veut dire que tu as des responsabilités. Il y a bien au moins un Allemand dans votre groupe. On est deux Allemands, oui. Bien, parfait, super. Hop. Donc on va faire un parcours des combattants là. Oui, oui. Si je vais sur ça. Thank you.
D'arrivée et des bonnes réponses du questionnaire. C'est l'équipe des crêpes. Bravo. Thank you.
Franz-Deutsch. Thank you.
Français allemand non identifié de la bataille de Verdun repose ensemble pour l'éternité. Écoutez ce silence pénétrant. Celui qui nous invite à imaginer le courage qu'il a fallu à ces hommes pour affronter l'enfer de Verdun. 300 jours et 300 nuits de combat, sans trêve. Plus de 300 000 morts et disparus, 400 000 blessés, français et allemands confondus. Ce duel d'artillerie sans précédent symbolise et résume la guerre industrielle du XXe siècle. Et pour quelle raison ? Parce que les Allemands ont envahi la France. Weil die Deutschen Frankreich überfallen haben. Parce que les Français ont menacé l'Allemagne avec une alliance militaire et un empire colonial immense. Les poilus eux-mêmes, lorsqu'ils sont rentrés chez eux, le cœur éteint, l'esprit bouleversé et l'humeur à la colère, ne volaient plus la guerre. Ils savaient que l'armistice était fragile et que les relations entre les Français et les Allemands seraient le pouls des événements en Europe. C'est pour cela que dès 1924, en opposition avec beaucoup de leurs compatriotes, le Français brillant et l'Allemand Stresemann ont œuvré au rapprochement franco-allemand. D'autres chefs d'État des deux pays par la suite ont entrepris cet effort de dialogue et d'amitié. De Gaulle et Adenauer, Mitterrand et Kohl, Hollande et Merkel à l'occasion récemment du centenaire de la bataille de Verdun en 2016. Vous êtes les gardiens de cette mémoire parce qu'aujourd'hui vous êtes les témoins de ce qu'il s'est passé. Les poilus n'existant plus, c'est à vous qu'incombe la mission de raconter ce que vous avez appris à l'école et ce que vous avez compris aujourd'hui. Merci de votre attention. Vous pouvez maintenant, si vous souhaitez, déposer les cierges sur les portes-cierges et faire votre service. Alors là, on est en 1919. Monseigneur Ginisty était évêque de Verdun et il est venu ici sur ce champ de bataille pour se recueillir.
Donc on est juste après-guerre. Hein. Et ce qu'il voit va le choquer profondément, c'est un cimetière à ciel ouvert. Il va y avoir des corps partout autour de lui. Donc Monseigneur Ginisti va décider de parcourir le monde à la recherche de financement pour construire un ossuaire. Ici, dans cet ossuaire de Douaumont, on trouve les corps de 130 000 soldats non identifiés. À votre avis, ils sont français, allemands ou les deux ? Les deux. Alors, c'est pas parce qu'ils sont pas identifiés qu'on ne connaît pas leur nationalité. Ça, c'est important. Comment on identifie un soldat ? Les vêtements. Avec un casque. Avec une plaque d'identification, d'identité, pardon. Par contre, comment on connaît sa nationalité ? C'est l'uniforme. Si là, c'est arrivé il y a jeudi dernier, on a retrouvé un corps, il y a des travaux au fort de Douaumont, on a retrouvé un corps. On sait que c'est un soldat français parce qu'il avait au pied des chaussures françaises. Voilà, donc forcément, ça aide un petit peu. Par contre, il n'y avait pas de plaque d'identité, donc on ne connaît pas son identité. Voilà. Donc ici, dans cet ossuaire de Douaumont, on a les corps de 130 000 soldats non identifiés. Qu'ils soient français ou allemands, ça c'était vraiment le souhait de Monseigneur Ginisti. Selon lui, tous les hommes sont égaux face à la mort. Alors il y a deux raisons principales à la construction de cet ossuaire. La première, c'est parce que dans les années 1920, les soldats non identifiés, on ne les enterrait pas dans un cimetière. Donc en 1920, hein, aujourd'hui on les enterre dans le cimetière. Mais on ne va pas laisser les corps comme ça partout autour de nous, ça ne se fait pas. On leur crée donc des ossuaires. Et la deuxième raison, c'est aussi pour permettre aux familles qui ont perdu un membre, mais dont on n'a pas retrouvé le corps, de pouvoir se recueillir. Par exemple, si pendant la bataille de Verdun, j'ai perdu mon frère, je sais qu'il est mort, hein, mais on n'a jamais retrouvé son corps, eh bien, je peux venir me recueillir ici, dans l'ossuaire. Est-ce que ça va déjà pour vous ? Oui ? Et d'ailleurs, la tour du monument, elle a la forme d'un obus, hein, elle a été entièrement financée par les États-Unis. Et la forme globale du monument, c'est la forme d'une épée qu'on aurait plantée dans le sol. Donc en fait, la tour, ce serait la partie qu'on tient dans la main, vous le verrez mieux quand on s'approchera, et on l'aurait enfoncée dans le sol. Ça, c'est très important, puisqu'une épée avec la lame vers le bas, c'est un symbole de paix. Et ce symbole, vous le retrouverez sur la porte, puisqu'il y a écrit le mot « Pax », et on retrouve à nouveau une épée avec la lame vers le bas. On y va ? Allez. Vous y étiez tout à l'heure pour la cérémonie. Ce cloître fait plus de 130 mètres de long et il est divisé en 46 secteurs de combat. Par exemple, ici on a Douaumont. Douaumont, c'est un des 9 villages détruits de ce champ de bataille et c'est aussi le secteur de combat sur lequel nous nous trouvons puisqu'on est ici dans l'ossuaire de Douaumont. Chacun des secteurs de combat est représenté par un tombeau en marbre. Ces tombeaux sont totalement vides. Il n'y a pas de corps dans ces tombeaux. Par contre, en dessous, il y a des cryptes, donc des pièces semi-enterrées dans lesquelles reposent les ossements. Donc nous, on les verra après la visite quand on ressortira du monument. Le plus marquant ici, c'est ce qu'on va voir gravé sur les murs. Par exemple, ici, on a Robert Thierry, né le 22 février 1892 et mort le 8 juin 1916. Sous vos pieds, vous avez des mosaïques qui représentent des décorations militaires. Tout au centre, vous avez la Légion d'honneur. Donc là, c'est la plus haute distinction française qui a été offerte à l'ossuaire par la ville de Lyon. Et tout au bout, comme là où vous étiez tout à l'heure, vous avez ces gros boucliers. Sur ces boucliers, on va pouvoir y allumer la flamme du souvenir à des dates importantes, comme par exemple le 11 novembre.
avez le vertige. Vous n'imaginez même pas monter plus haut. Okay. Vous restez ici. Hein. Là, je ne vous donne pas le choix. Si vous avez le vertige, vous restez ici. Ok? Donc, on reste toujours dans le calme. On monte, on regarde la vue panoramique et on redescend. On a peu de temps, on a 10 minutes seulement pour faire l'aller-retour. Véritables ossements, de véritables hommes morts pour leur pays, que ce soit la France ou l'Allemagne. Ce ne sont pas des os en plastique que vous allez voir. Hein. Donc j'aimerais que vous gardiez évidemment une attitude respectueuse. Donc vous allez regarder les ossements, ensuite on se tourne au quart. Donc vous pouvez les voir dans les vitres qui sont tout le long du bâtiment ici. À 40 personnes. Donc là, vous pouvez quasiment tous dormir ici. Évidemment, on dort à deux par étage, deux en haut, deux en bas. Et ça, c'est quand on est 250 dans le fort. En plein cœur des combats, on sera 650 dans le fort, et ça peut même aller jusqu'à 2000 soldats en une seule journée. Donc vous imaginez une pièce qui est prévue pour 250 personnes, on a mis 250 chaises. On peut pas en mettre plus, hein. On retire les 250 chaises, on en met 2000. Vous imaginez bien que du coup on va être un petit peu à l'étroit. Ben, c'est pareil ici dans le fort. Du coup, pour les couchages, on va devoir se serrer un petit peu. On va dormir à l'horizontale. Et on va dormir à 5 ou 6 par étage. Et oui. Sur certains des lits, vous voyez aussi ces paillasses, ces matelas en paille. Donc ça, au début, on avait sur tous les lits. Mais le soldat, quand il arrive dans le fort, en général, il revient de sa tranchée ou de son trou d'obus. Donc en général, il est complètement trempé, couvert de boue. La paille plus l'humidité, ça pourrit, ça fait du fumier. Et on a assez de problèmes d'hygiène pour ne pas en rajouter, donc finalement, on va dormir à même le bois. En parlant justement de problèmes d'hygiène, on est embêté ici par ce qu'on appelle les totos et les gaspards. Qu'est-ce que c'est les totos? Les poux. Je l'ai entendu là? Les poux. Les poux. Alors dans les forts,
on a la possibilité de faire déjà désinfecter nos uniformes. Donc on peut être débarrassé en grande partie des totos. Mais qui me dit que les 5-6 camarades qui dorment avec moi, qui me dit qu'ils l'auront fait de se désinfecter leur uniforme? Donc ça se trouve, ils sont couverts de totos et je vais récupérer leurs totos. C'est un cercle vicieux, ça ne va jamais s'arrêter. Et les Gaspard? Les rats. Alors les rats, c'est très compliqué parce que les rats, déjà, ça grignote tout. Par exemple, les soldats, ils ont des ceinturons en cuir. Le cuir, c'est de la peau de bête, donc si je laisse mon ceinturon par terre, le rat va venir le grignoter. Donc il faut que je fasse attention à bien mettre mes affaires sur les petites tablettes. Mais encore une fois, notre soldat revient de sa tranchée, il ne pense qu'à deux choses. Manger, dormir. Manger, dormir. Tout à fait. Alors, imaginons que je m'endorme avec un petit bout de pain dans la main. Le rat, ce qu'il va faire, évidemment, il va venir grignoter ce bout de pain. Et s'il n'en a pas assez, il va s'attaquer à ce qu'il y a autour. Les doigts. Et oui. Donc lorsqu'ils en ont tant, les soldats ont la possibilité de chasser, de tuer les rats en contrepartie d'une petite prime financière. Et d'ailleurs, selon vous, quel est l'animal qu'on trouve souvent dans les forts pour lutter contre les rats? Les chats. Les chats, évidemment. Les chats, ce sont d'excellents chasseurs, ce sera plutôt des chiens dans les tranchées. Et quel est le deuxième rôle des chats, des chiens? Accompagner. Tenir compagnie. Ça, c'est très important. Hein. On a des soldats qui n'ont pas vu de leur famille depuis des semaines, parfois même des mois. Et avoir un petit peu de compagnie animale, ceux qui ont un animal, vous savez très bien ce que ça fait, évidemment. Vous avez peut-être remarqué aussi qu'on a des ouvertures. Comme ici, par exemple, on a une fenêtre. Alors, en 1916, pendant la bataille de Verdun, vous pouvez arrêter de l'afficher, hein, il ne va pas bouger, je vous assure. Donc, en 1916, pendant la bataille de Verdun, ces ouvertures ont été complètement, entièrement et hermétiquement fermées, bouchées. Pourquoi ? Le gaz. Ouais, tu as entendu par là ? Pour les gaz. À cause des gaz. Alors, on va prendre l'exemple du gaz moutarde. Le gaz moutarde, déjà, c'est un gaz qui est plus lourd que l'air. Il va descendre. Et c'est un gaz qui va vous brûler la peau et les muqueuses. Moi, par exemple, j'aurai les mains, le visage brûlé, avec les lambeaux de peau qui partent et tout ce qui va bien. Mais aussi et surtout les voies respiratoires. Donc je vais suffoquer, je ne pourrai plus respirer. Donc concrètement, si on laisse une ouverture comme celle-ci, en une minute, ce gaz, il peut tous nous tuer. Donc bien sûr, on ne le veut pas, on veut l'éviter, hein. Donc on va boucher, on ne peut pas renouveler l'air. Vous voyez ce que ça fait quand vous entrez dans une salle de cours derrière une autre classe? Vous voyez de quoi je parle? Ok. Alors imaginez maintenant qu'aujourd'hui, enfin qu'il y a 100 ans, ici, c'était la même chose, mais ce n'était pas une trentaine d'élèves, hein. C'était 650 soldats qui ne se lavaient que très peu, qu'on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres au risque de mourir. Et en plus de ça, en 1916, on n'a pas d'électricité dans le fort. On s'éclaire encore à la bougie. Donc, vous le savez, pour qu'une flamme brûle, il lui faut de l'oxygène. Donc là, ça va grignoter encore un peu plus d'oxygène. Donc, autant vous dire qu'ici, l'air est quasi irrespirable. Par contre, on a une grande chance. C'est qu'on a un système de récupération d'eau de pluie. On va récupérer l'eau de pluie qu'on va filtrer deux fois. Une fois dans des cailloux, pour retirer les objets, feuilles mortes, etc. Et une deuxième fois dans du charbon. Ensuite, on place cette eau dans des grandes citernes. Qu'on soit d'accord, aujourd'hui, on ne la boirait pas, hein, cette eau. On ne la considérerait pas comme potable. Mais c'est tout ce qu'on a, donc on s'en contente. On va quand même être limité. Chaque homme aura droit à 25 centilitres d'eau par jour pour la boisson et la toilette. Ma bouteille, là, c'est déjà du 33 centilitres. Donc 25 centilitres, c'est à peu près au niveau de mes doigts. C'est l'équivalent d'un grand verre d'eau. Ils vont se laver ou boire? Boire. Évidemment, ils vont boire. La toilette, ça attendra le retour à l'arrière si on a la chance d'y retourner. Est-ce que vous pensez qu'on est mieux dans un fort ou dans une tranchée? Une tranchée. Alors, on va lever la main. Qui pense la tranchée? Levez la main. Qui pense le fort? La majorité a raison. Oui, en levant la main toujours, expliquez-moi pourquoi on est mieux dans un fort que dans une tranchée. On est protégé des obus. Ouais, on a un plafond qui fait 5 mètres d'épaisseur, hein, vous vous souvenez. On est protégé des obus. On est protégé de quoi d'autre grâce au plafond? Du coup, du gaz. Des gaz, bien sûr. Il fait chaud. Alors, il fait beaucoup plus chaud et on est protégé des intempéries. Paraît-il que de temps en temps, en Meuse, il pleut. Donc, on est protégé. Ici. Ça, c'est très important. Il fait beaucoup plus chaud, oui. Alors déjà, comme on est un peu les uns sur les autres, la chaleur humaine, ça aide. Et on a aussi des poils. On peut se réchauffer.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait qu'on est mieux dans un fort que dans une tranchée? Il y a des vivres. Il y a des vivres, très important. On n'a peut-être que 25 centilitres d'eau par jour, mais on est sûr de les avoir. Dans la tranchée, ce n'est pas le cas. On a de la nourriture de manière plus régulière que dans une tranchée aussi. Oui. Le sol dans la tranchée, il est comment? C'est de la boue, on est d'accord. Ici, le sol est somme toute convenable. Des lits comme ça, on en a dans une tranchée? Non. Non, on va dormir dans un coin. Hein. Là, on a des lits, on peut se reposer. Donc oui, effectivement, on est quand même beaucoup mieux dans un fort. Les conditions de vie sont moins désagréables. On ne va pas dire qu'elles sont agréables, hein. On est d'accord. Mais elles sont moins désagréables dans un fort que dans une tranchée. Vous êtes prêts à dormir là ce soir? Non. Moi j'ai une question. Oui. On est en première ligne là. Oui. Donc on peut imaginer que les soldats soient à l'intérieur du fort et qu'ils aient affronté une attaque. Oui. Alors, tout autour du fort, on avait quand même un système de protection, hein, qu'on va s'inspirer d'ailleurs des châteaux médiévaux. Qu'est-ce qu'il y a autour des châteaux médiévaux? Des grands fossés, qu'on appelle des douves. Ici, on a des grands fossés aussi tout autour qui font une dizaine de mètres de profondeur. Donc, normalement, l'infanterie ne peut pas s'approcher du fort. Normalement, hein. C'est pareil, on a aussi des canons, des tourelles de mitrailleuses qui vont pouvoir nous protéger. Donc, je dis bien normalement, hein, l'infanterie ne peut pas s'approcher du fort. Mais vous vous souvenez qu'on a retiré des hommes et de l'armement en 1915 et on ne les remettra qu'en 1916, lorsque la bataille de Verdun sera déjà commencée. Donc, on va voir ce qui s'est passé par la suite. Ça répond à la question? Oui, merci. Si vous ne le voyez pas encore, vous le verrez juste après, hein, c'est pas bien grave. Ce mannequin, il représente le commandant Reynal. Reynal, donc, était commandant du fort. Il est arrivé ici le 24 mai 1916. Le 24 mai, on est déjà dans la bataille de Verdun. Ses premiers mots en entrant dans le fort ont été « Ici on meurt, on ne se rend pas ». Ça rappelle la devise des forts autour de Verdun « S'ensevelir dans les ruines du fort plutôt que de se rendre ». Et en plus de ça, Reynal, il a toujours en tête le fort de Douaumont, le plus grand, le plus puissant, qui a été pris seulement au bout de 4 jours. Et Reynal refuse que ça arrive dans son fort. Dites-moi, expliquez-moi comment je peux communiquer avec un autre fort. Les pigeons voyageurs, bien sûr. Donc c'est très simple, on leur met un message autour de la patte avec une petite bague et ils délivrent leur message. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme moyen de communication? Petit indice, il y en a un qui est là. Il y a le télégramme, il y a le téléphone. C'est des téléphones avec fil, hein, des fils qui vont, des câbles qui vont passer, notamment dans les tranchées. Hein. Donc un obus tombe dessus, plus de communication. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pensez très simple, le plus simple. Les courriers, bien sûr. Je suis toujours Reynal, hein, vous vous souvenez? J'écris, par exemple, une offensive. J'écris une offensive sur un papier que je délivre à un messager. Ce messager se fait capturer. Bon, autant vous dire que mon offensive, elle ne sert à rien. Et au contraire, ce sera certainement une embuscade. Et une dernière chose, ça je pense que vous ne connaîtrez pas, c'est les signaux optiques. Donc ça, c'est le principe du morse, hein, mais avec de la lumière, des signaux lumineux. Alors, en plein jour, quand il fait grand soleil, on voit pas bien. En plein jour, mais quand il fait grand brouillard, on voit pas bien non plus. En pleine nuit, l'ennemi peut le voir aussi, peut le décrypter. Donc c'est pas l'idéal non plus. Et finalement, ce qui sera le plus utilisé, ce sera les pigeons voyageurs, le plus efficace. Est-ce que c'est bon pour vous tout ça? Oui. Oui. Alors on va s'avancer un petit peu, on va laisser la place à nos camarades. Un petit lavage de cheveux à l'eau sale.
juin 1916. Donc Reynal, il est là depuis une semaine, 10 jours. Hein. Donc l'armée allemande décide de prendre le fort de Devaux. Donc comment on va faire? Bah d'abord on va faire ce qu'on appelle une préparation d'artillerie. C'est-à-dire qu'on va envoyer des obus, des obus, des obus, des obus. En moyenne, sur le fort de Vaux, le 1er juin 1916, c'est 1500 obus par heure. Je dis pas 1500 obus dans la journée, hein, vraiment, 1500 obus par heure. Et il y a un truc génial dans les forts, c'est que l'entrée, c'est la sortie. Il n'y a qu'une seule issue. Là, concrètement, on a l'ennemi de l'autre côté de la porte. Hein, donc, on est coincé dans le fort, on ne peut pas sortir. Le jour suivant, le 2, il y a une tourelle qui va exploser. L'armée allemande va pouvoir rentrer dans le fort de Vaux et on va avoir des combats au corps à corps. Avec quel type d'armes? Uniquement des armes. Hein. Avec quel type d'armes on va pouvoir combattre? Les baïonnettes, des lames qu'on met au bout du fusil. Baïonnettes, fusils. Alors les armes blanches, souvent les soldats avaient des couteaux. Oui, à main nue, bien sûr, évidemment. Hein. Alors après, on va utiliser aussi tout ce qu'on a sous les mains, des casseroles, des choses comme ça. Hein. Oui, bien sûr. Grenade. Une grenade. Alors vous imaginez que les grenades, ça fait beaucoup de dégâts. Il y a un autre type d'arme. Ce sont principalement les pompiers qui vont les utiliser, ces armes-là. Cette arme-là, c'est les pompiers qui vont l'utiliser parce que c'est les plus à même de régler le problème qu'ils causent. Le feu. Le feu, donc le... L'incendie. Le lance. Lance-flamme. Évidemment, on va pouvoir utiliser des lance-flammes. Alors vous imaginez, donc on s'imagine que vous, vous êtes les soldats français. Moi, je fais partie de l'armée allemande. Attendez, c'est pas fini. Je fais partie de l'armée allemande, j'arrive de l'autre côté avec mon lance-flamme. Bah vous, vous faites pas les fiers, hein, évidemment. En plus de ça, il y a les latrines, les toilettes qui ont explosé. Donc on combat dans 5 cm d'excréments. Le jour suivant, le 3... Nos citernes d'eau, vous vous souvenez, on en a parlé? Non, pas encore. Eh bien, elles ont explosé aussi. Tout se fissure. On n'a plus de réserve d'eau. Du coup, le 4, le commandant Reynal décide... C'est bon? Le commandant Reynal décide d'envoyer son dernier pigeon, Vaillant. Le message est très clair, hein. On n'a plus d'eau, on ne tient plus, on a besoin d'aide. Donc au départ, Vaillant, il ne peut pas partir. Il sent le gaz, hein. Il a son instinct qui lui demande de ne pas bouger. Mais on va l'aider, on va le pousser un petit peu et finalement, Vaillant délivrera son message complètement gazé, mourant, mais il délivrera son message. Et d'ailleurs, Vaillant va être décoré de la Légion d'honneur, la plus haute distinction. Et oui, un pigeon pour le service rendu à la nation. Ouais. Le 5 juin 1916, on commence à ressentir les effets de la déshydratation. On peut vivre 2-3 semaines sans manger, par contre c'est 2-3 jours sans boire. Hein. Donc là, on ressent le besoin de boire, on va lécher les murs, boire notre urine pour essayer de survivre. Le 6, on entend au loin les canons français tirer autour du fort de Vaux. Donc on se dit, c'est très bien, ça va éloigner l'armée allemande et on va pouvoir sortir. Sauf que c'est un terrible échec, on est toujours coincé dans le fort. Donc le 7 juin 1916, le commandant Reynal va décider de se rendre. Sur les 650 soldats qui étaient dans le fort, il y en a environ 250 qui vont sortir. Lorsqu'ils sortiront, les soldats allemands leur feront une haie d'honneur. Mais ça, les soldats français ne le remarquent même pas. La seule chose qui les intéresse, c'est de se jeter dans les trous d'obus. On a pu le voir, là, ça fait de belles flaques. Ils peuvent boire. Mais vous imaginez bien que c'est pas de l'eau qui est propre, c'est pas de l'eau qui est saine. La boue, les munitions, les cadavres. Mais on a besoin de boire. Ces hommes seront ensuite faits prisonniers. Alors, juste une petite précision, on ne va pas maltraiter les prisonniers. On ne les traite pas bien, mais on ne les traite pas mal non plus. Les prisonniers, ce sont des monnaies d'échange. Hein. On va échanger des prisonniers français contre des prisonniers allemands, évidemment. Hein. Donc on les traite correctement. Donc à partir du 7 juin 1916, le fort est allemand. Au tout début du mois de novembre, l'armée allemande apprend que l'armée française va lancer une offensive pour récupérer le fort de Vaux. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les Allemands, selon vous? Se préparer. Ils vont pas se préparer. Fuir. Ils vont quitter le fort, tout simplement. Mais on comprend facilement pourquoi. Qui a dû sortir les 400 cadavres qui étaient à l'intérieur? Les Allemands. Qui a dû nettoyer le fort de tous les excréments? Les Allemands.
Qui a vu les soldats français se ruer dans les trous d'obus? Les Allemands. Les Allemands. En plus de ça, on est en novembre, hein, on est à la toute fin de la bataille de Verdun. Côté allemand, on est assez conscient que là, on n'arrivera plus à avancer. Ça fait depuis le mois de juillet, en gros, qu'on n'arrive plus à avancer. Donc, plutôt que d'avoir de grosses pertes, peut-être qu'il vaut mieux reculer un tout petit peu. Donc, du coup, le fort de Vaux sera récupéré au mois de novembre par l'armée française, sans combat. Est-ce que c'est clair pour vous, tout ça? Oui. Est-ce que vous avez remarqué qu'au bout de nos têtes, il en manque un bout? Juste ici, là. Alors ça, c'est ce qui, aujourd'hui, nous montre la violence des combats qui ont eu lieu dans cette galerie, ici même. Les combats ont été tellement intenses, tellement puissants, qu'on a même cassé du béton. C'est quand même incroyable, hein. Donc ça, c'est ce qui nous montre aujourd'hui. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on peut voir la violence de ces combats. Tout le long, quasiment tout le long du fort, vous avez pu voir des longues lignes rouges. Ça nous signifie, donc c'est de la peinture, ça nous signifie qu'au-dessus de nos têtes, on a du béton. Donc quand on subit un assaut, c'est dans ces endroits qu'il faut se réfugier pour être protégé au maximum. Et ça va plus vite de tracer un grand trait rouge que d'écrire béton tous les 2 mètres, hein. Vous l'imaginez bien. L'armée française aura réussi à récupérer une partie de la butte, la partie sur laquelle nous nous trouvons. Donc le côté nord était occupé par l'armée allemande, le côté sud était occupé par l'armée française. Donc vous voyez qu'on était à 2 pas l'un de l'autre. Là vos camarades sont en train de rentrer dans la tranchée allemande. Nous là on est côté français. Alors là il y a eu au total 519 pour être précise, 519 explosions de mines ici. 519, c'est énorme, hein. Et donc la plus grosse, ça a été 60 tonnes d'explosifs. C'est vraiment énorme, hein. Donc vous imaginez bien que ce qui restait du village, totalement détruit. Là, on est entre la tranchée française et la tranchée allemande. Comment ça s'appelle ce terrain? Le No Man's Land. Le No Man's Land, tout à fait. Donc littéralement, la terre qui n'appartient à aucun homme. Donc là, on est vraiment au cœur du No Man's Land. Donc vous avez pu voir que c'était vraiment proche. Ça, c'est une des caractéristiques de cette guerre de position, c'est que le No Man's Land devient de plus en plus petit. Et on a tout à l'heure, quand on était là-haut, on voyait très bien nos camarades dans la tranchée allemande, hein. On les voyait bien. Donc s'il y en a un qui était sorti pour nous faire coucou, on aurait pu le tuer pendant la Première Guerre mondiale. On est d'accord? Donc ça, c'est caractéristique de la guerre de position. Je m'arrête devant ce monument, c'est un monument dédié à des sapeurs-pompiers. En 1915, ici, on a chargé des sapeurs-pompiers de Paris de lancer une attaque au lance-flammes. Donc, on en a parlé ce matin, on lance le gaz inflammable, puis on y met le feu. Donc, le premier jour, les pompiers ont dit « Non, il est hors de question, on n'y va pas ». Il y a trop de vent de face, c'est nous qui allons nous reprendre tout le liquide inflammable, c'est hors de question. Bon, ok. Le lendemain,
On leur demande, allez-y, maintenant vous y allez. Ils disent, non, non, il y a toujours le vent, c'est pas possible. Tant pis, vous y allez. Donc ils y sont allés. Ils ont lancé leur liquide inflammable. Ils ont lancé leur grenade. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Ils ont été brûlés vifs. Donc ça, je pense que c'est une mort qui est particulièrement horrible. Hein. Donc du coup, il y a certains de ces sapeurs-pompiers qui sont morts le 6 juin 1915. Du coup, ici, tous les ans, au niveau de ce monument, il y a une délégation de sapeurs-pompiers de Paris qui vient le 6 juin pour rendre hommage à ces soldats morts ici le 6 juin 1915. Donc dans quelques secondes, on va marcher dans une tranchée allemande. Au début, cette tranchée ne sera pas reconstituée. Donc elle est telle qu'elle aujourd'hui. Hein. Mais un tout petit peu plus loin, plus vous avancerez, plus vous verrez cette tranchée reconstituée. Donc telle qu'elle pouvait être il y a 100 ans. À un moment donné, tout au bout, vous serez obligé de tourner vers votre droite. Vous faites extrêmement attention, il faut se baisser. Mais vous vous baissez vraiment jusqu'au bout. Parce que si c'est pas la tête qui tape, ça va être le dos. Et ça, ça fait mal. J'ai déjà vu un bleu comme ça. Hein. Ok ? Donc, moi je dois me baisser. Voilà. Donc vous restez vraiment bien baissé jusqu'au bout. Allez, je repasse devant mais... Parce que j'en peux plus, j'ai mis. Tu marches en position, voilà. On bouffe quand même. Hein. Tu es charmant. On va pas content parce que moi j'aurais une juste pour une flaque. Ah, il marche là dans tous les jours. Regardez, c'est du McDo. C'est eux qui faut s'abaisser. C'est là qu'on va devoir se baisser. Oh, le délire. Parce que sinon tu te casses. Pourquoi faut s'abaisser? Bah parce que t'es obligé pour passer. Parce que sinon tu décèdes et t'as plus de tête. Bah non, c'est juste que tu passes pas et tu bouffes un mur. Et t'as un bleu après. Ah, par contre, je suis trop fou. Ah non. Allez, on se baisse bien et jusqu'au bout. Hein. Vous pourrez dire à Hippolyte d'arrêter de lancer des boules de neige dans les yeux. Oui, effectivement. Pourquoi vous venez pas? Mais oui, on ne lance pas de boules de neige, je suis d'accord. Oh non mais ma jambe trop grosse, mais t'es pas obligé. Donc vous baissez bien vraiment jusqu'au bout hein. Allez, tu te baisses bien et tout va bien se passer. Tonton à partir d'ici il se baisse. Jusqu'au bout. Ah oui d'accord. Ah oui. C'est une blague. Du coup. Quand il y a marqué interdit, c'est qu'il faut y aller en fait. Interdit au public. T'es quand même dans les bonnes conditions. Ouais, toi, mais les gars, en fait, c'est vraiment trop. Ouais, c'est ça, tu veux une anecdote? Elle est d'époque. Oh putain, j'ai perdu trop. Attends, du coup, là, t'as tous les petits retardataires qui sont arrivés. Oui, c'est vrai. Bien baissé jusqu'au bout. Bien baissé. Bien baissé jusqu'au bout. Et écoutez le bruit du cri. Allez-y, on peut se voir là. C'est où qu'on sort aussi parce que. Vous levez la main haut et vous m'expliquez ce qu'est une tranchée, à quoi ça sert, comment on l'utilise, comment on est protégé, etc. C'est boueux.
Une tranchée, c'est boueux. Là, vous l'avez vu, vous imaginez que ce n'est rien par rapport à ce que c'était il y a 100 ans. Hein? Parfois, les soldats, ils ont de la boue jusqu'aux cuisses. Oui. C'est sombre. C'est sombre. Oui, on ne voit pas très très clair, effectivement. Vous imaginez de nuit en plus, hein, on est obligé de s'éclairer. Très bien. C'est bon. Ah, c'est très étroit. C'est étroit. Là, oui, effectivement, on est assez étroit. Alors, les tranchées seront plus ou moins étroites en fonction de leur utilité. Abriter des tôles, abriter par des tôles. On a des tôles, effectivement, tout le long, qui nous protègent un petit peu, oui. Il n'y a pas d'autres mains plus loin, non? Vas-y. Il y a aussi de la pierre. Il y a aussi de la pierre, très bien. Là, côté allemand, effectivement, on va utiliser beaucoup du métal, des tôles et de la pierre. On verra tout à l'heure une tranchée française pour comparer. C'est plutôt haut sur les côtés. Plutôt haut? Oui. Effectivement, c'est relativement haut. On ne dépasse pas, notre tête ne dépasse pas. Hein. Et comparé au fort, c'est quoi la plus grosse différence? Bah, on peut pas dormir, il n'y a pas de lit. La protection, le toit, ouais. Le toit. Ouais, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de lit, effectivement. Alors par contre, côté allemand, on n'a pas de lit dans la tranchée, ça c'est un fait. Mais par contre, vous vous rappelez, je vous disais qu'on creusait des sapes. Bah, côté allemand, on va même creuser des pièces de vie. En fait, sous nos pieds, là, il y a 17 km de galeries, côté allemand. On en a 5 côté français. Et dans ces 17 km de galeries, on trouvera 184 pièces. Donc on va vivre sous terre. Côté allemand, sous terre. Alors ça va impliquer beaucoup de soucis, notamment respiratoires. En fait, c'est extrêmement humide en dessous, et donc les soldats vont avoir beaucoup de pneumonie et choses de ce genre-là. Donc ça, ça va être problématique. Avec, oui. Pourquoi ils n'ont pas des trous? Des trous de? Bah, je sais pas, genre. Alors on va être à 20 mètres de profondeur. Si on fait des trous d'aération, qu'est-ce qui rentre? Les obus. Les gaz. Eaux, l'eau, les gaz, etc. Donc non, on ne fait pas de trous d'aération. Impossible. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur la tranchée? Elle est toute droite? Non, elle est en zigzag. Elle est en zigzag, pourquoi? Pour éviter les tirs à l'affilée. Ou en... je ne sais plus comment ça s'appelle. Les tirs en enfilade. C'est pour éviter les tirs en enfilade qu'on a effectivement ces zigzags. Qu'est-ce que c'est ça? Vous savez ce que c'est, ces gros pics là? Barbelés. Alors pas les barbelés, ce qui retient les barbelés. Ça sert à tenir. Ça s'appelle des queues de cochon. Et dans ces parties arrondies qui ressemblent à des queues de cochon, les queues en tire-bouchon, hein, on va y placer les barbelés. Le but étant bien sûr que l'ennemi reste coincé dedans. Donc là vous avez une petite reconstitution de ces barbelés, hein. On pouvait en avoir sur plusieurs mètres. Le but, c'est que l'ennemi ne rentre pas facilement dans notre tranchée, évidemment. Mais la plupart ont un pic sur le dessus. Tant qu'à faire, si notre ennemi il peut s'empaler sur la queue de cochon, c'est encore mieux. Sur ce monument. Donc ce monument, il a été construit après-guerre, évidemment. Est-ce que quelqu'un peut se lancer dans une description? Une personne qui décrit le monument. Ok, vas-y. Bah alors viens, tu te mets devant tes camarades pour qu'ils puissent t'entendre. Donc tu te mets bien face à tes camarades et tu leur montres, donc là avec ton bras gauche, il y a quoi? Un soldat. Un soldat. Avec un fusil posé par terre dans sa main gauche. Très bien. Et il a une petite casquette. Alors un képi? Ouais. Exactement. Qu'est-ce qu'il a dans sa main droite là? Alors dans sa main droite, il a une boule de bowling. Une grenade. Une grenade, effectivement. Dans sa main gauche, un fusil. Dans sa main droite, une grenade. Ok, qu'est-ce que tu vois d'autre? Grand monument. Ouais, le grand monument, quel symbole on retrouve sur ce monument? Une épée vers le bas. C'est pas ça tes camarades, c'est à tes camarades que tu parles. Une épée vers le bas, ce qui symbolise la paix. Très bien. Là, c'est une tête. C'est une tête. Qui regarde le sol. Certainement à rapprocher un corps. C'est ce qui regarde le sol. Ouais, c'est un soldat. Ah, mais il marche dessus en fait. Alors, il marche pas dessus, non. Il s'assoit dessus. Il est à côté. Alors là, on me dit qu'il est mort. Tout le monde pense qu'il est mort? Non, il est juste... Je pense qu'il dort. Peut-être qu'il dort. Là, en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Merci, tu peux retourner à ta place. Il n'y a pas de bonne réponse. Hein. Peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est mort, on ne sait pas. Donc là, c'est une scène de tranchée qui nous est représentée. Donc avec un homme qui dort, probablement, et un homme qui monte la garde, le fusil en main, la grenade en main. Donc on va continuer notre chemin. On va emprunter dès maintenant une tranchée française. Comme tout à l'heure, le début ne va pas être reconstitué. Il n'y aura qu'une petite partie qui va être reconstituée. Tout ce que vous aviez sur le côté droit,
C'était les sacs de table qu'on a aujourd'hui représentés en béton. Hein. Du coup, c'est quoi qui résiste le mieux ? L'allemand ou la française ? C'est qui qui a gagné ? Oui, la tranchée allemande est beaucoup plus résistante, beaucoup plus protectrice que la tranchée française. Alors, il y a une raison importante. Hein. Côté français, le but c'est d'avancer, de repousser l'ennemi. Côté allemand, on est sur un terrain qui n'est pas le nôtre à la base, hein, puisque là on est en France. Donc le but c'est de s'installer, de s'ancrer pour ne pas reculer. Donc on va s'installer. Vraiment, c'est pour ça qu'on va faire de belles tranchées beaucoup plus résistantes que les tranchées françaises. Tout drapeau allemand. Donc dans les cimetières allemands, il n'y a pas de drapeau allemand. Mais celui-ci, je vous le disais, ce cimetière de Consenvoix, il est différent. Il marque vraiment cette réconciliation franco-allemande. Déjà parce que François Hollande et Angela Merkel sont venus ici pour une cérémonie, hein, pour marcher dans leur parc, et parce qu'on a ces trois drapeaux à l'entrée du cimetière. Donc européen, allemand, français. Sur les stèles en forme de crucifix qui sont là pour matérialiser les tombes, les sépultures, sur les cimetières dans les cimetières allemands, c'est valable pour celui du cimetière de Beauvais. Vous avez effectivement plusieurs noms d'indiqués. Et une des raisons, c'est aussi parce que les Français ne voulaient pas que les cimetières soient trop grands. Imaginez s'il avait fallu, comme dans le cimetière américain de Romagne sous Montfaucon, avoir une stèle pour chaque soldat allemand tombé au front ici à Verdun, le cimetière aurait été immense. Or, les mettre 2, 3 ou 4 par sépulture, c'est aussi un gain de place. Ça vous renseigne un peu sur aussi les mentalités de l'après-guerre. 12. mai 1916. Wir sind ständig unter Feuer. Ein Gekrache und Gesause in der Luft. Sowas habe ich noch nie erlebt. Das Schlimmste ist, wenn wir abgelöst werden. Das Rein oder Raus ist purer Horror. Manchmal halten uns regelrechte Leichenberge auf. Die meiste Zeit graben wir uns ein, verstecken uns, so gut es eben geht. So sieht das Heldentum im Jahre 1916 aus. 20. August 1916. Den ganzen Tag lagen wir in einem Granattrichter, der 50 Meter Durchmesser hatte. Einige Kameraden wurden im feindlichen Feuer regelrecht unterpflügt. Auch Piccolo und ich rechneten jeden Augenblick mit dem Tod. Nichts zu essen, kein Tropfen Wasser und dann dieser grässliche Leichengestank. 22. Oktober 1916. Heute sind an einem einzigen Tag 7000 Pferde auf dem Schlachtfeld verendet. Arme Kreaturen und schlimm, sie leiden zu sehen. Merci. Alors, comme c'est indiqué sur les gravures ici, avant nous, hein, le 22 septembre 1984, après être passé à l'ossuaire de Douaumont le matin, le président français, Mitterrand, mais aussi Helmut Kohl, le chancelier allemand, sont venus ici. C'est pas rien, c'est aussi un geste pour montrer que la nouvelle génération a dépassé ses rancœurs du passé,
vers un avenir qu'ils espèrent amis et en paix. Et puis ensuite, à l'occasion du centenaire de la bataille de Verdun, ce sont les présidents Hollande et puis Merkel qui sont venus. Quand les chefs d'État le font, c'est parce qu'ils engagent la nation entière dans cette voie-là. Aujourd'hui, c'est vous qui le faites. Vous vous engagez, vous aussi. Alors, s'il vous plaît, déposez la gerbe de fleurs.